un débat comme celui-ci aurait été extrêmement intéressant. Il s'agit simplement d'échanger. Je suis certain que au lieu de passer son temps à s'adresser, à avancer finalement des idées reçues qui sont à ressasser des arguments qui n'en sont pas devant la presse, je pense qu'il est quand même plus intéressant de débattre, à tête reposée, sereinement, échanger les arguments parce qu'il y en a. Ceux qui plaident pour une politique volontariste et monétaire volontariste aujourd'hui ont des arguments sérieux. C'est ceux d'ailleurs que j'allais évoquer dans le débat aujourd'hui, aussi bien pour répondre aux arguments concernant le risque d'inflation, le risque de déficit externe. Tout cela, on sait aujourd'hui comment faire. On sait ce qu'il faut faire pour éviter, tout en ayant une politique monétaire active, pour éviter ce type de risque. Donc, il n'y a pas… Il n'y a pas d'un côté des gens qui tiennent absolument à la doxa et d'autres qui sont esservelés. Il y a des gens qui sont, comme tu le dis très bien mon cher, il y a des patriotes. Oui, nous sommes tous, je pense, des patriotes et nous essayons de trouver les solutions pour faire en sorte. Et justement, là aussi, malheureusement, je n'ai pas le temps de détailler. Mais effectivement, c'est vrai que au-delà de la relance, au-delà de la conjoncture, le vrai défi de notre pays, ça reste quand même le développement. À voir l'état où est encore notre économie, y a-t-il un autre défi que celui réellement de se mettre enfin, je dirais 70 ans après l'indépendance, sur la voie du développement ?